Bob, le docteur voudrait te voir. Encore une session sur le divan ? Vous aimeriez d'autres tartes ? Oh ! Dites, elles sont à quoi ? Bonjour, Joker. Lex, tu es un fantôme ? Non, je ne suis pas mort. Rassemble un maximum de tes copains de cellules d'Arkham et rejoignez-moi dans le hall de la fatalité. Eh bien, je suis à court de tartes. Sors-moi d'ici et j'arrive dans la seconde. Parfait. Il te suffit juste de régler le téléviseur du garde sur la chaîne 52. J'ai bien entendu, t'es prêt à te faire la belle ? J'ai bricolé un pistolet réfrigérant avec du savon et des ressorts de lit. Laisse, je m'en occupe. Hey, ça suffit. On t'a rendu ton armure et tes trucs à la condition expresse que tu ne t'en serves pas pour faire le mal. On peut aussi bien te faire prendre. Stop! Oh zut, c'est pas lui, c'est l'autre. Bah, les mains en l'air quand même. Je peux vous aider? Officiel, c'est un fou. Que quelqu'un prenne ma place. Il vous faut un truc ? Huh?
va, patron? Ouais. C'est trop facile. Patron, besoin d'un coup de main? On peut vous aider à monter si vous nous sortez de là. Hé les gars, voilà quoi pour remonter le moral. Alors le Joker a dit qu'on grimperait les échelons en un rien de temps. J'avais pas compris ça. T'as entendu, Jimmy? Il se passe un truc là-dedans. C'est quoi, à ton avis, Loïs? Je sais pas. Mais avec Harley Quinn qui se balade dans la nature, ça m'étonnerait que ce soit bon signe. Ce n'est pas Ultraman qui vient de passer? Il se passe quelque chose de vraiment louche là-dedans, c'est sûr. Si Ultraman et les autres remplaçants sont dans le coin, il faut qu'on aille voir ce qui se trame. Voyons si on peut entrer. Ce gars-là ne sera peut-être pas si barbant que ça. Mais c'est le coin réservé aux VIP, Loïs! On n'a pas de billet. On ne va pas s'arrêter à ce détail, Jimmy. Hé, hey, tu y es arrivé? Eh ben, en voilà un qui crève l'écran, comme on dit. Chers détenus, nous rencontrons actuellement quelques problèmes techniques. Pour votre sécurité, nous vous demandons de rester dans vos cellules. Par ici, Joker. Ça nous mènera au niveau inférieur. Voilà, ça c'était la partie facile. Maintenant, on va où ? Aucune idée, Capitaine Glagla, mais je suis sûr que nos amis criminels nous aideraient à quitter ce taudis, si on allait leur demander. Ça me fait pas froid aux yeux. J'arrête avec les ennemis à demain. Yeah.
On donne à Electra la permission de sortir. On va s'amuser. Je recharge pendant que quelqu'un d'autre s'en occupe. Les trois là-dedans. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Vous ne comprenez pas que j'œuvre pour le bien de l'humanité? Thank you.
par ici. Suivez-moi. Je vais vous faire un de mes petits tours de magie. Désolé de jeter un froid, mais je peux rien faire. Ça me fait pas froid aux yeux. J'arrête un peu de mourir de bon. Eh bien, le voilà. Sur le mont Grundy, c'est pas dangereux de le laisser sortir? Probablement que si, mais ce n'est pas une raison. Il y
dirait que notre ami mort-vivant a le sommeil lourd. Pas étonnant. Je peux peut-être y faire quelque chose. Ça, c'est du réveil. Un jeu d'enfant pour quelqu'un doté de talents aussi incroyables. Il va y avoir assez de pièces ici pour construire ce qu'on veut. Bienvenue. Puisque vous êtes là à présent, vous allez tous pouvoir m'assister dans mes expériences. C'est le docteur Hugo Strange. Ces expériences se finissent rarement bien pour tous ceux qui l'assistent. Je vous remercie sincèrement, Joker.
Cette évasion est l'occasion rêvée pour moi de recruter de nouveaux volontaires pour mes recherches. Il n'y a pas de quoi. Des volontaires, comme Robert, juste ici. Bobby! Les plans et les complots, les machinations machiavéliques. Oui, bon, comme tu voudras. Mais trouve un truc et vite. De course folle. J'ai fait assez d'exercices pour l'année. Si on continue à le distraire, on devrait finir par l'épuiser. Attendez! Je ne peux pas l'utiliser? Quelle mauvaise blague! Hé, c'est moi qui devrais
dire ça. Un de mes petits tours de magie. De génie, c'est ça? Je m'en occupe.
tu dis de ça, hein? Le coup de grâce, Joker! Bien joué, l'étincelle! Maintenant, reste plus qu'à trouver comment sortir d'ici. Relax! Une solution va se présenter. J'aimerais pouvoir dire que je l'ai vu venir. Pauvre Robert. Peut-être qu'avec des semelles isolantes... Dieu merci, merci, vous étiez là. Tiens donc, une fête. Ah, on te dépose, Choupette. Monsieur J. Tu crois que tu peux nous échapper, le clown? Je prends ça pour un oui. Ah, tant pis. Nous avons des problèmes plus importants à régler.